Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la recette que je vous propose, c'est comment faire une petite soupe de poisson, d'aubergine, petite aubergine sec là. Voilà, avec le poisson maquereau. On pensera plus en évent. Ici pour débuter, on va faire une petite marinade qui est composée de piments secs, ail piqué, de girofle et poivre africain qu'on va faire griller. Après avoir grillé, nous avons de côté échalotes, oignons, feuilles d'oignon, poireaux, ail, gingembre. On va mélanger tout ensemble, puis les mixer. Voici un peu à quoi la mixture va ressembler. De côté, je vais rajouter mains sec et poisson adjuvant et crevettes séchées. Adjuvant, ce sont les poissons salés fermentés. C'est le poisson salé fermenté du moins, tant pour moi. Je vais couvrir, laisser tout ça là. Je vais mixer tout. Oh! Voici un peu à quoi la marinade va ressembler. Je rajoute de l'huile. Un peu de tomate. Oignon. Ma marinade de tout à l'heure là. Faut rajouter beaucoup en tout cas pour que ça puisse bien rentrer dans le poisson là. Poivre blanc, du sel, on va tout mélanger puis laisser frire légèrement. Je viens rajouter mon bouillon d'assaisonnement bio qui est disponible sur ma chaîne YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Là, quand ça a bien grillé comme ça, je rajoute un peu d'eau et je peux rajouter mon poisson maquereau frais. Voilà, ne vous inquiétez pas, ce que je disais au départ là, la marinade, à cause de la marinade là, vous n'allez pas du tout sentir l'odeur du poisson, ça va bien parfumer. De côté, nous avons oignons, un peu de tomates, piment et quelques aubergines pour rendre ça un peu épais. Piment, je vais rajouter de l'eau. De côté, nous avons des aubergines secs. Là, voici ça. J'ai rajouté dans le sachet. J'ai rajouté de l'eau. Je vais laisser bouillir. Pour tous ceux qui sont allergiques au sachet comme ça, là, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Utilisez ce que vous pouvez. Vous pouvez les faire cuire de côté, mais pour dire que ça tue, là, pardonnez. Je l'ai pardonné. Je vais, quand c'est cuit, je vais retirer mes légumes tels que oignons, tomates, piments et aubergines. Et aubergines secs, là. Pour le mixer, je rajoute la mixture là à ma sauce. Je vais goûter puis rectifier mon assaisonnement si nécessaire. Ah, je pense que ça manque un peu de bouillon. Le bouillon est trop doux. Le parfum que ça donne là. Là, je vais laisser mijoter tout doucement à feu doux pendant environ 10 à 15 minutes. Ok. Ok les amis, voici le résultat de mon plat. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner puis de partager. Tu peux activer la cloche de notification pour me copier de mes recettes lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. On se dira bye bye. Le sachet l'a pardonné. Oh. Ok les amis, moi j'ai enfin fini. J'ai mélangé toutes les recettes que j'ai faites là. J'ai fait, pardon. Ah, c'est foutu, je vais couper avec du foutu. Sauce arachide, sauce graine, sauce jungle, sauce guaguasu, sauce aubergine, sauce gnagna. En tout cas, j'ai tout gnagna. On est trop épico. Le parfum de la marinade là, mélangé au parfum de l'assaisonnement, bouillon d'assaisonnement, le goût, je vous dis le goût. Trop bon.
sur ses pieds frais comme ça. Excusez-nous. Concernant mes produits, voici mes produits qui sont là. Vous avez le mini pack. Le mini pack est composé de d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement et tout le reste, c'est la boîte de 100 ml. Barbecue, cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson. Et le pack normal, les sachets sont de 200 grammes. Voilà. Bouillon d'assaisonnement. La grosse boîte là est de 500 grammes. Vous avez un petit sachet de piment aussi. Ça, c'est pour le pack normal, pas pour le mini pack. Le pack normal est composé de cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue. C'est 200 grammes par sachet. Et la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement, c'est de 500 grammes par boîte. Donc,